Nous avons eu la chance de nous exiler très tôt. Et c'est ça qui nous a donné la force de revenir chez nous pour aider le président à reconstruire cette société, comme l'a dit tout à l'heure Théodore Monod. Parce que ce que nous avons vécu tout à l'heure à l'Assemblée nationale, mais c'est impensable, c'est pas des jeunes qui l'ont fait. C'est incroyable. Moi, je suis tout... En plus, Seydou Diouf avait parlé, j'avais parlé. Mais il faut que nous revenions à reconstruire notre société. Mais ce pays est en train d'être abîmé. Parce que nous, les responsables, la chance que nous avons d'être députés. Moi, je n'ai jamais pensé de ma vie être député, tant que je le sais. Je suis un syndicaliste à la CGT, revendicatif, toute ma vie. Dieu a fait que par mon engagement, j'ai la chance d'être là. On a une 4x4, on a de l'essence, on a 1 500 000. Mais quand tu pars de la banlieue le matin à 4 heures, tu vois ces femmes-là qui partent vers les marchés à pied. Et nous, on est là à s'éponger. On est là mais pour rien. On n'est même pas conscient de ceux qui sont derrière nous. Et quand on dit ça, ils vont se dire, oui, encore, il fait le parigo, il roule derrière. Mais je suis plus qu'indien, je suis plus que choqué. Et là, j'interpelle le président de la République, les députés de la majorité de Benno Bokayakar. Il faut qu'on revienne aux réalités de ce pays. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait du chômage, qu'il y ait de la misère, que le président a une volonté extraordinaire de relever ce pays. Et nous, on est là à faire du catch, alors qu'on est du même camp politique. Mais c'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'elle va dire, celle-là? Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce que les jeunes vont dire? Ah ben, ils ne sont là que pour ça. Et en plus, qu'est-ce qui vaut qu'on ne peut pas se parler? Je le dis tout le temps en faisant de l'humour. Un pays où il y a Kharial, Djamagan, Darussalam, où les mosquées sont pleines le vendredi jusqu'à déborder dans toutes les rues. Et on est là et on nous parle de Dar. Mais excusez-moi, moi je suis un enfant de la République, de l'école républicaine. Je ne me suis jamais agenouillé devant un Dar parce que j'ai pas eu la chance d'avoir mes pauvres parents pour m'emmener chez le marabout. Mais je connais des valeurs, je me suis construit, j'ai fait ma vie, Tamsir. Nous avons combattu, Tamsir. Parce que nous croyons au projet du président de la République quand il est venu en France, qu'il nous a vendu son programme. On s'est dit, on y va. Voilà l'homme qu'il faut au pays. Et vous croyez qu'à 64 ans, moi, je suis avec le président Macky Sall parce que je m'ennuie? Non, je suis avec lui parce que je sais qu'il y a des routes au Fouta, Ablaye Daoud Diallo. Il n'y a jamais eu de route au Fouta. Il y en a aujourd'hui. C'est une révolution. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a de l'électricité au Fouta. Il n'y en a jamais eu. Moi, j'ai grandi en France 45 ans. Je prends le métro comme je veux. Je prends le train comme je veux. Je prends l'avion comme je veux. Mais je viens dans mon pays parce que l'Ibar France, moi, me la bugle, ça me réo. Mais dimbali lenu. Dimbali lenu khali. Djapale len khali. Nous développer ce nouvel. Djapale len président Macky Sall. Qui lui nek. Baye len lien nek, c'est pas bon. Moi, je ne suis pas. Alors, ceux qui disent j'ai honte des députés, ah non. Ah non, moi, je suis député. Ce que font les autres, les truputudes des autres ne m'engagent pas. Ah, je ne suis en rien responsable. J'ai pas à être honte, j'ai pas à être choqué, je peux être... Si, je peux m'indigner. Mais ce qu'ils font ne m'engage pas.